France, la péninsule italienne est divisée en plusieurs états indépendants. Le royaume de Piémont-Sardaigne, les duchés de Parme, de Modène et de Toscane, les états de l'Église et le royaume des deux Siciles. Au nord, la Lombardie et la Vénétie, peuplées majoritairement d'italophones, sont cédées à l'Empire d'Autriche, qui exerce une forte influence politique sur la péninsule italienne. Cependant, de nombreux nationalistes italiens rêvent d'unifier la péninsule. De nombreux nationalistes italiens considèrent le Piémont-Sardaigne comme le seul état capable d'unifier la péninsule. Son nouveau monarque, Victor Emmanuel II, jouit d'une grande popularité car il est le seul chef d'État de la péninsule à maintenir une constitution libérale. En 1852, il nomme Cavour Premier ministre. Ce dernier entreprend la modernisation du pays, notamment en ordonnant la construction d'un réseau de voies ferrées et en réorganisant l'armée piémontaise. Favorable à l'unification italienne sous l'égide du Piémont et de son roi, Cavour comprend qu'il a besoin d'un allié face aux géants autrichiens. Il conclut une alliance avec Napoléon III, empereur des Français. En 1859, la France et le Piémont battent l'Autriche à Magenta et à Solferino. Le Piémont annexe la Lombardie. Les succès du Piémont provoquent des soulèvements dans le nord et le centre de l'Italie. Les insurgés chassent leur monarque lié aux Habsbourg d'Autriche. Des plébiscites ratifient leur attachement de Modène, de Parme, de la Toscane et d'une partie des États pontificaux au Piémont. En échange de son soutien, Napoléon III reçoit Nice et la Savoie.